بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله أسلم وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد خاتم النبيين إمام المرسلين Alors, Inch'Allah, les frères et sœurs, je vous ai amené aujourd'hui un secret du nom d'Allah pour régler un problème urgent. Peu importe le type de problème, je ne vais pas entrer dans ces détails. Je vais vous dire uniquement, peu importe le type de problème. L'essentiel est que la situation que vous avez devant vous, vous considérez cette situation-là comme un problème, vous pouvez utiliser cette recette Inch'Allah, les zikr se faire la nuit préférentiellement entre 3h et 4h du matin j'ai dit préférentiellement voilà, à cette heure là, après avoir fait vos ablutions vous faites deux rakats de votre soir avec les versets de votre soir vous terminez, vous prenez votre chapelet ou bien le moins avec lequel vous comptez vous faites Astaghfirullah jusqu'à terminer 100 fois. Vous faites la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Il y a beaucoup de formules. Moi je préfère Allah salli wa sallim. Vous faites ça également 100 fois. Vous terminez. Vous faites le zikr de Yalatif. Bon, pour Yalatif, il faut bien écouter pour pouvoir comprendre. Vous faites Yalatif deux cent trente fois. Vous répétez encore Ya Latif 236 fois. Vous faites le même, la même action euh, 7 fois. C'est-à-dire, vous faites le zikr de Ya 236 fois et le même zikr vous reprenez sera à 7 reprises. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de refaire à Astaghfirullah 100 et Allahumma salli ala sayyidina vous sallim ça. Les deux-là, vous le faites uniquement une seule fois. Mais le zikr de Ya 236 fois vous faites 236 fois, vous répétez encore, vous répétez encore, jusqu'à faire sept fois le zikr 236 fois. Vous terminez, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de régler la situation. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de régler le problème. Peu importe la gravité de la situation, peu importe votre niveau d'inquiétude, Inch'Allah, le problème sera réglé très rapidement le lendemain. Que ce soit un problème d'argent, problème de justice, vous avez un problème avec quelqu'un. Bon. Inch'Allah, le problème sera réglé avec l'aide de la ta'ala. Donc, c'était tout pour le secret d'aujourd'hui. Inch'Allah, le rendez-vous se voit très prochainement pour une nouvelle publication. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.